Ben, je pense que c'était à Pralognan, là où j'ai grandi. Au tout début, j'étais toute petite, hein. Je pense que j'avais 2 ans environ sur les patinettes. Et ça, c'est des choses que je me souviens pas vraiment. J'ai vu des photos, j'étais vraiment minus. Et plus tard, après, quand j'allais skier, quand j'étais un petit peu plus grande, ça, c'était toujours avec mon papy. Parce qu'en fait, il allait relever les sondes pour Météo France ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Donc, il m'emmenait toujours avec lui. Il me prenait toujours entre les jambes sur le téléski. Là, ça, je m'en souviens vraiment parce que j'arrivais pas. J'étais trop petite pour le prendre toute seule. Donc, voilà, je me souviens qu'on se baladait et c'était vraiment top. J'adorais ça, en tout cas. Après, j'ai aussi quand même des souvenirs de quand j'étais au club, forcément, les premières années au club avec les copains-copines. Ici, à Courchevel, c'est là où j'ai découvert que le ski, ben, c'était une passion pour moi et que j'aimais l'entraînement et que j'aimais la compétition aussi. En tout cas, je me souviens qu'à part les jours où il pleuvait, où j'avais horreur d'aller skier, sinon j'ai toujours beaucoup aimé ça, j'étais toujours hyper contente d'y aller. Ouais, ben, je me souviens assez bien des écureuils d'or. C'est là où j'ai commencé peut-être à être un peu plus compétitive, ou en tout cas j'étais au départ et j'avais envie de gagner. Et là, je me souviens des podiums. Ouais, je me souviens quand j'ai gagné le géant, je crois. Et ça, c'était cool. Là, j'étais contente. Là, il y avait une certaine satisfaction. Je pense que je suis compète dans le ski. J'étais compète au patin, forcément, dès que ça avait une réelle importance, en fait. Mais je n'ai pas souvenir d'avoir été super compétitrice dès qu'on faisait un jeu de société ou des trucs comme ça. Et je ne le suis toujours pas, franchement. Enfin, j'aime bien m'amuser. Après, je trouve que, enfin, il y a des moments, c'est important de gagner et d'autres, pas forcément. Ouais, ça je m'en souviens vraiment bien. C'était en Allemagne, à Ofterschwang, en 2006, je crois. Et bah, je me souviens que c'était genre tout grand. Et enfin, je prenais des photos de tout. Enfin, j'ai ouvert grand mes yeux et j'étais vraiment émerveillée, quoi. Ouais, je pense que je suis restée un petit peu la même, c'est sûr. J'ai toujours été énergique quand même et en même temps aussi un petit peu stressée. Je me souviens, aussi loin que je me souvienne, ça a toujours été un peu stressant pour moi d'être au départ des courses, et ça l'est encore maintenant, par exemple. Donc j'ai appris à le gérer. Mais oui, je pense qu'il y a une part de nous-mêmes qu'on va garder du début à la fin. Je me souvenais plus.